Un thermomètre dans un laboratoire affiche la température à la fois en degrés Celsius et en degrés Fahrenheit. Si le mercure dans le thermomètre atteint 56 degrés Fahrenheit, quelle est la température correspondante en degrés Celsius? Alors qu'est-ce qu'on a ici? On est en présence de deux formules, une formule qui nous donne la température en degrés Fahrenheit à partir des degrés Celsius, et la seconde qui nous donne la température à partir des degrés, en degrés Celsius à partir des degrés Fahrenheit. Donc, qu'est-ce qu'on a dans notre énoncé? On a la température en degrés Fahrenheit et qui est égale à 56 degrés Fahrenheit. Et on veut la température en degrés Celsius qu'on ne connaît pas. On va donc utiliser cette formule-ci. C égale 5 neuvième multiplié par F moins 32. Donc on va tout simplement appliquer cette formule. Donc on va l'écrire ici. C égale 5 neuvième multiplié par 56, la température en degrés Fahrenheit, 56 plus, moins 32. Alors ça, qu'est-ce que ça vaut? C'est égal à 5 divisé par 9, mais 5 multiplié par 56 moins 32. 56 moins 32, c'est égal à 24. Bien. Donc, on va essayer maintenant de simplifier un petit peu cette fraction qu'on a. Qu'est-ce qu'on peut faire avant toute chose? Avant même de multiplier par 5, on peut essayer de diviser par 3 en haut et en bas. On va diviser 9 par 3 et on va diviser 24 par 3, puisqu'on sait que 24 est un multiple de 3. Évidemment, la même chose pour 9. Donc 5 multiplié par 24 divisé par 3, c'est égal à 8. Et divisé par 9 divisé par 3, qui est égal à 3. C'est donc égal à 5 fois 8, 40, divisé par 3. Alors, on a une fraction, elle est irréductible. On va essayer de l'écrire avec des nombres décimaux pour pouvoir avoir une idée un petit peu que ça représente quelque chose. 40 divisé par 3, on ne va pas dire il fait 40 divisé par 3 degrés. Donc, faisons la division de 40 divisé par 3, on va la faire manuellement. Donc, dans 4, combien de fois on a 3? On met une fois 3. On soustrait 3 et on a un reste de 1. Je fais tomber le 0 et j'ai 10. Dans 10, combien de fois je mets 3? Eh bien, je mets 3 fois 3, puisque 3 fois 3, 9. Je soustrais 9 et j'ai à nouveau un 1. Donc, à ce moment-là, je fais comme si j'avais un 0 ici. Et je fais tomber un autre 0, mais comme je suis après la virgule, je mets une virgule ici. Et j'ai à nouveau 10. Donc, je vais à nouveau mettre 3 fois 3, et en soustrayant par 9, je vais avoir à nouveau un reste de 1. Donc, je vais avoir ici 3, 3, 3, que l'on va répéter à l'infini. Donc, le résultat de 40 divisé par 3, 40 divisé par 3, c'est égal en réalité à 13,3, etc. Donc on l'arrondit, on peut rester à 13,33 ou 13,3, peu importe. C'est un nombre décimal dont les décimales se répètent infiniment. Donc on a notre température en degrés Celsius qui est de 13,33.